Ok, vas-y, let's go. Vas-y, 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 go, go, go. Tu fais quoi? Il me dit partir. Mais non, let's go, ça veut dire rentre. Ok, c'est bon, t'as réussi à venir finalement. Mais il me repérait pas depuis tout à l'heure. Hein. De quoi? Depuis tout à l'heure, il me Tout à l'heure, repérait il me pas. repérait pas. Ouais, bon. Tout ça pour dire que. Hop. Vas-y, rentre. Ok. Bon, on va tenter de prendre la connexion. Allô, monsieur le maire? Oui. Vous souhaitez parler? De quoi? Est-ce que vous souhaitez parler? Qu'il se passe? Vous avez vu mon appel, c'est cela? Il est fort possible que oui. C'est probable aussi. Écoutez, je vous ai donné un lieu de rendez-vous. Vous y allez, discutez. Et qu'est-ce qui me garantit ma sécurité? Mais dites-moi, qu'est-ce qui me garantit ma sécurité? Vous y allez, vous me prévenez par radio que vous y êtes, je descendrai d'un des HLM et je viendrai vous parler. Je vous promets que rien et personne ne vous tirera Dites-moi, qu'est-ce dessus. qui me garantit votre sécurité? Je suis pas un connard. Ah bon? Pourtant, vous avez Ah essayé quand même à multiples bon. reprises de nous mettre à l'envers. Oh, c'est bon, tu sais quoi? Eh, vu que t'es en train de dire que je suis un connard, vas-y, tu sais quoi? On n'y va pas et tu te dé... Et là, je pourrais peut-être me rendre, mais là, non, du coup. Monsieur le maire, pourquoi vous l'apprenez comme ça? Bah, c'est bon, je vous donne un lieu de rendez-vous, vous êtes en train Monsieur le de maire, vous voulez même pas discuter discuter, vous voulez même pas discuter, comment vous voulez qu'on y et... Je veux arrive? discuter. Je veux discuter. Monsieur le Non, maire, vous avez non. des gardes armés, tout à l'heure il y avait une grenade, votre garde avait une grenade. Je vois pas de quoi vous parlez, la grenade. Comment Ah oui, ça? la Vous m'avez grenade. donné une grenade, monsieur le maire, vous m'avez donné, votre garde m'a donné une Bon, grenade. allez, vous savez quoi, je ne discute plus, je vais vous débrouiller maintenant. Monsieur le maire, monsieur le Je vais maire, me... on va pas commencer, on va pas commencer. Non. Monsieur le maire, Oui. on n'est pas souvent en contact, alors arrêtez. Mais je vais vous proposer un marché pour Mais monsieur m'arrêter. le maire, va falloir Qu'est-ce que que vous vous mettiez un faites, peu à ma monsieur? place, monsieur le maire. Mais monsieur le maire, mettez-vous à ma place, d'accord? Vous êtes un gendarme, d'accord? Non. Vous arrivez dans une maison où il y a des mecs armés, des individus armés, d'accord? Vous êtes là. C'est un maire hein, qui vous parle. Imaginez, hein, c'est un maire qui vous parle. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le maire? Le maire, il dit qu'il veut imposer une dictature ou je sais pas trop quoi, d'accord? Il ne sait pas, il n'est pas très clair, d'accord? Vous avez des hommes, d'accord, qui sont armés. Non mais Vous savez écoutez-moi, quoi? Vous savez quoi? vous On avez va des se hommes prendre armés. rendez-vous. J'ai à prendre rendez-vous avec vous. C'est soit vous venez, soit vous venez pas. C'est pas fin de l'histoire. On ne discutera pas. Vous choisir. Messieurs? Yes. Alors, on se connaît pas, vous me connaissez pas, mais on pourrait faire un petit truc si j'en apprends un peu plus sur vous. C'est-à-dire? Ah, faudrait déjà que vous répondiez à une de mes questions qui me trépide dans la tête là. Est-ce que vous faites partie d'une organisation criminelle? Une organisation criminelle, j'irai pas à dire ça, mais j'ai un objectif avec mon camarade et nous pouvons peut-être éventuellement négocier. Sachez déjà que je suis pas flic. Si je suis flic, je me tire une balle dans la tête, d'accord? D'accord. En fait, je suis venu là dans l'unique but de buter des gens. Et donc, on me considère un peu comme un mercenaire, mais j'irai pas dire ça. Je suis en train de rechercher des gens qui peuvent me recruter. Est-ce que je peux vous poser une petite question à mon tour?
évidemment. Avez-vous une quelconque relation avec l'ancien maire de la ville ? Je sais même pas qui c'était. Très bien. Écoutez... Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que pas je fais ? Pas de problème, j'ai tout mon temps. Bon, je vous ouvre. Merci bien. Oh là. Ne faites pas attention, mon ami. Très sympa. Il est roupillé un peu. Bon. Ah, écoutez, installez-vous là, si vous voulez, sur la chaise. Oh, je préfère rester debout. Bon, c'est simple, je vous explique, grosso modo. Ah bah il s'est réveillé. Bonsoir. Grosso modo, je vous explique, moi j'ai un petit souci, c'est justement, si je vous ai parlé du maire, c'est pas pour rien. J'ai entendu dire qu'il a été, quand même sous une sorte de dictature. Ce qui a fait que du coup j'ai fait... Ouais, on peut dire ça, j'ai fait un peu de... Oh purée. Qu'est-ce qui se passe ? Putain. Il a niqué... Oh le bâtard, il a niqué ma chignole. Oh l'enculé. Je vous fais confiance dans l'instant présent, mais sachez qu'au moindre doute, je vous en mets une. Le problème. Sachez que moi aussi. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est plus pas qu'elle. Attends. Comment ils ont fait pour le repérer ? J'en sais rien, mec, j'en sais que dalle. Mais le type, il s'est présenté chez nous, tu vois. J'avais ma voiture devant... Et comme par hasard... Ok. Ouais. J'ouvre la porte. Pousse-toi. Vas-y. Là, c'est derrière. Ok, c'est pas ouvert. Ok. Ok. Alors, je vous explique. Je vous explique. Non mais ils ont dû partir, je vous explique. Vas-y. Vous voyez la personne qui vous fait ça, qui vous a fait ça là? Ouais. Vous pouvez baisser votre arme, je pense qu'on est en sécurité. Bah c'est la personne qui me cause des ennuis, voyez-vous. Ah, oui. Merde, pas fait exprès. Donc bon. J'allais dire que vous étiez peut-être de mèche avec eux, mais bon. J'imagine que si j'ouvre la porte et que je regarde votre voiture, à mon avis, vu ce que j'ai entendu, elle doit pas être en super état. Ouais, et j'ai pas trop envie de la regarder. Bon. À mon avis, là, elle doit être en train de cramer. Putain. Bon. Je vous explique. Oh merde, j'ai plus de munitions. Mon but, c'est que le maire de cette ville, enfin l'ancien maire du coup, puisqu'il a été démis de ses fonctions, hein, suite à ses actes. C'est qu'on le récupère vivant. Une fois qu'on le récupère vivant, votre travail s'arrête ici, vous recevez votre paye de 50 000 euros, et après on vous laisse repartir tranquille. Et c'est pas une blague, si vous voulez on va là-bas là, on rentre. Venez. On rentre, c'est mieux d'être rentré. C'est mieux de rentrer ici, ça serait plus sécurisé. Allez. Bon, les 50 000, ils sont dans l'espèce d'armoire. Alors attendez, je dois aller les chercher. J'ai entendu une poignée de porte. Waouh! Et d'accord, c'est un metagaming, non? J'espère que c'est un metagaming, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une terre dessus. Eh oui, mais d'accord, comment il fait pour savoir qu'on est là? Mais pourquoi il a soit à l'intérieur? Mais
pourquoi il assaut sans savoir si c'est vraiment eux. Je vous explique. Le truc, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui parle, c'est vous qui parlez, d'accord? Nous, ils connaissent sûrement nos voix, vous, ils ne connaissent pas vos voix, d'accord? Alors vous lui dites que c'est chez vous, etc. Okay. Vous envoyez une excuse bidon, mais faut que ça passe, faut que ça soit. Ok. Je tente de prendre contact avec le maire, ok? Vas-y. Ok, prise de connexion, 19h56, et c'est parti. Allô, monsieur le maire? Les bagnoles, prenez les bagnoles, prenez les bagnoles. Oui? Où êtes-vous, monsieur le maire? Putain. Bah, vous êtes où, d'ailleurs? Vous êtes pas dans un hangar, par exemple? Ou la porte? Ils se prennent, les bagnoles, hein. Pas du tout, monsieur le maire. Là, actuellement, nous, on est rentré à la gendarmerie, là, on se... Vous inquiétez pas, on est... Vous êtes rentré, en... là hein. Oui, okay. Je suis actuellement, là, monsieur, en... Mince, comment on appelle ça? En... Avec l'Elysée. Bah, c'était bien. Ok, t'ouvres la porte, t'es prêt. Vas-y. Okay. Go. Tirez. C'est bon, rentrons. Je l'ai buté. J'ai buté un mec. Attention! J'avais un mec qui est bouclier. T'as buté le maire! Ouais, j'ai buté. Ok. Vous avez des munitions, s'il vous plaît, d'OTS? Les munitions, honnêtement, je peux pas vous mentir. C'est pas ce que j'ai le plus. J'ai plus que deux balles. Je devrais pas vous donner ça, mais tenez. Prenez, c'est pour votre survie. Ok, merci beaucoup. Je sais pas ce qu'on vient de bailler dedans par contre. Ok. Eh bah par contre je l'ai pas. Ah si, c'est bon. Ok. Vous en avez combien de balles? Ok, c'est bon, je suis blindé. Ok, nickel. Faites gaffe. Bon, si vous entendez certaines choses qui sortent de notre bouche, ou si vous voyez certains équipements un peu douteux, vous inquiétez pas, je vous explique tout après. Hein. Dans tous les cas, vous arrivez aux 50 000. Hein. Ouais, y a pas de problème. Ok. T'es prêt? J'ouvre la porte? Non, mais attends. N'ouvre pas, ils sont... Je vois que la porte elle est fermée. Mais... Attends, j'ai monté sur l'ordinateur. Ah, putain. C'est une mauvaise idée, vous êtes trop couverts. Ah. Attendez. Je vois un type au sol. Y a personne. Attendez, je vais prendre mon appareil. Poussez-vous. Je vais essayer de zoomer pour voir ce que je vois. Oh putain. Putain, mais Chris, il a pas encore patché les boucliers, ça me... T'as vu quoi? Julien! Quoi? Le type au sol, c'est le maire! Vous avez buté le maire, là? Bah... Ouais, on voulait vivant, mais bon, il est mort. Non, c'était pas le but, il le butait, mais... Mais bon, au moins, il cassera pas les couilles. Il nous a cherché, il est mort. Quelle information vous avez voulu avoir? Savoir pourquoi il était contre nous et il mettait des lois, en fait, tout ce qui est illégal, légal, quoi. D'accord. Ouais, je connais mon métier, vous inquiétez pas. Let's go. Ah putain, j'ai fait péter. Mort. Il était... Putain, on a perdu. J'ai une fracture au bras. J'ai une fracture à la jambe. Fais gaffe, pas trop. Il est ressorti. Ça va? On l'a perdu. Ils ont pété la porte.
Ouais, mais oui. Mais on a perdu le gars. Hein. Ils prennent les bagnoles. Une fracture, mais t'inquiète. Je crois qu'ils ont pris ma bagnole, c'est le PD. Derrière. C'est vraiment derrière. Mais elle était fermée ma bagnole, on est d'accord? Mais ils ont du Moi j'ai une lockpick, ils ont du fracture. lockpick. T'as une fracture? Moi j'ai une fracture, mais au bras. On se barre, faut qu'on se barre. Faut qu'on prenne une voiture vite. Ouais mais elle est pétée sa vo cette voiture, c'était la voiture de l'autre. Ok, ma voiture, est-ce qu'elle est. Ah, elle est Elle pétée est dead aussi. ta voiture. Ouais, je crois que c'est moi qui l'ai dead de ta voiture, mais. Ah mais j'ai une fracture putain. Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Ah, je sais, t'inquiète. Non mais t'inquiète, je te prends le RP. Ça va, tu tiens le coup? Ah, ça va. Ah, ça va. Je regarde les arrières, hein. T'inquiète Ça pas. m'énerve d'avoir embarqué un civil là-dedans, je voulais pas. De toute façon, c'était soit ça, soit Et une oublie. pourquoi? Et pourquoi il était avec Pourquoi nous, il était lui? avec nous, lui? Mais pourquoi, à ton avis? Le mec était armé derrière la porte. Je pouvais pas lui dire de pas venir. Comment, je pouvais pas tomber mieux, le mec nous avait m'a dit qu'il était un espèce de mercenaire, je sais pas trop quoi. Il est armé Il est qu'un armé flingue, qu'un il avait flingue, pas il de avait pas de munitions. munitions. Et je lui ai passé une M4. Oui, bah ça, t'avais fait Ouais, une t'avais fait erreur. une Hein. erreur. T'aurais dû Écoute, passer t'aurais la dû passer la MP5. MP5. Ah, la MP5, mais la MP5, la MP5. La M4, c'était une M4 que j'avais confisquée à un mec, je l'avais pris dans mon coffre et je l'avais ramené ici. Elle était pas tracée par les sérigraphies de gendarmerie. Comme ça, moi, j'étais sûr que si Écoute, jamais ils se barraient avec, il n'y avait je pas vais à de l'hôpital. soupçons avec nous. Je soigne ma Seule ma fracture, on fracture, on recherche recherche le mon véhicule, mon véhicule, il est véhicule. sûrement là, un petit peu. Du coup, là, on a tué 2 mecs sur 3. Il nous reste encore le dernier garde à trouver. Fais gaffe, il peut être partout. Hey, il a des calls, Il a l'autre des là, coups? Théo. Ouais, Théo, ouais. Il Il arrache a pas kit. aimé? Il arrache kit, bah toi il cherche, hein, et voilà. Hein. Mec, j'ai. Attends, j'ai le type, j'ai le type, j'ai le type, j'ai le type! Viens, on Il est a. où? Attends, tout. Viens, Mais moi j'ai une fracture, frérot. ici. Il est au niveau du vendeur d'armes. Mec, je peux. Je mets un viseur sur mon M4, je peux lui coller une tête. Mais attends, est-ce qu'il est armé déjà? Je m'en fous, mec! Ah non, mais c'est vrai, j'avais oublié. Pose US, frérot. Attends. Ah, c'est le type qui m'a bagnole, hein. Mais oui, mais mince, j'avais oublié que j'ai une fracture. Oh, tu me vois avec normal, on est d'accord? Oui, avec la MP. Ok, mec, attends. J'ai le gros viseur de la M4.